Peggy 3. Salut les amis, c'est Monsieur Léon, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt pas mal, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du DLC PS 7h que vous avez choisi la dernière fois. On a bien avancé lors du dernier épisode qui est disponible dans la playlist. On a fait les 5 premières courses. On va commencer direct cet épisode avec la course de la Ferrari, bien sûr, pour me faire plaisir. Et ensuite, on enchaînera hein, jusqu'à la fin. Enfin, pas que à cet épisode. Je pense qu'on s'arrêtera soit à Marussia, soit à Dam Buster. Je vais réfléchir, on verra selon l'avancement du record. Et puis voilà. Mais je pense que ouais, se laisser les 3 dernières pour le dernier épisode, ça peut être sympathique aussi. Allez, on va pas perdre trop de temps. On va partir tout de suite faire la course avec la Ferrari 599 GTO. Allez les amis, on y retourne. Je suis dégoûté. Alfie Sanders m'a battu alors que j'ai fait la course en tête tout du long. Et voilà, j'ai fait une erreur à 80% de la course. Hein, 80% de la course, j'ai fait une seule erreur. Qui pour moi n'était pas si grande que ça et je pensais bah, perdre au moins l'avance que j'avais prise. Parce que j'avais énormément d'avance. J'étais même très très étonné de voir que j'avais autant d'avance. Et en fait je pensais voilà, que malgré cette erreur, ils allaient bah, revenir sur moi mais ne pas me doubler quoi. Je pensais avoir assez d'avance en fait. Et bien que nenni, sortie de tunnel, juste dernière ligne droite. J'avais la ligne d'arrivée devant moi. Et Alfie Sanders a enclenché son moteur à réacteur d'avion. Et il m'a doublé à 400 km/h. Juste devant la ligne d'arrivée, donc j'étais un petit peu dégoûté, voilà. Mais bon, perds pas espoir, on peut le refaire, je sais que bah là, je l'ai fait une fois, je peux le refaire, faudra juste que je gomme la petite erreur que j'ai faite à la fin. Et là par contre, c'est pas le même cas, puisque là j'avais quand même déjà de l'avance, et là pas du tout, là déjà il est déjà en train de me titiller le pare-choc arrière. Et il va falloir que je fasse très très attention à ma conduite. Parce que la moindre erreur, et il me passe devant et il s'envole. C'est vraiment frustrant. C'est que voilà, j'ai pas le droit à l'erreur. Eux n'en font pas par contre, c'est vraiment dommage ça. Je regrette un peu que l'IA ne puisse pas, bah, je sais pas moi, prendre un rocher tout seul ou faire une sortie de piste. C'est vraiment un truc qu'ils auraient dû ajouter ça aussi. Surtout qu'on est sur un jeu arcade, hein, on n'est pas sur de la simule. Mais même dans les simules, là, des fois, on a les IA qui provoquent des accidents. Et là, sur DriveFlab, non, jamais. Les IA ont un script, ils le suivent. Et voilà, terminé. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas une évolution de l'IA comme ça. Ça manque. Franchement, ça serait vraiment un bon truc, je pense, dans un jeu de course maintenant. C'est que, voilà, les IA peuvent aussi faire des erreurs. C'est pas permis qu'aux joueurs hein, de faire des erreurs. Les IA peuvent en faire aussi et ça serait pas mal qu'ils l'intègrent maintenant. Ça serait vraiment sympathique de voir ça. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, bien sûr. Mais bon, moi j'aimerais bien, franchement, qu'ils intègrent ça dans un jeu maintenant. Je sais pas s'il y en aura sur Forza 6, mais on verra. On sera déjà sur un petit peu plus de simulation Forza 6. Même si on n'est pas dans la simulation hardcore, on sera déjà un peu plus dans la simulation que de l'arcade. Voilà, donc là j'ai réussi à passer les virages où j'avais fait mon erreur tout à l'heure. J'ai un poil d'avance, si j'arrive à bien négocier ce tunnel, qui est très très dur pour moi, mais qui est très très simple pour mes poursuivants. Et là normalement... Je dois vraiment l'empêcher de passer. Non, c'est bon, ça passe. Tranquille. Youhou. Youhou. On est passé, les amis. Allez, c'est parti. On va y arriver. Cette voiture commence à me sortir par les yeux. Donc, il faut que j'y arrive maintenant. Sinon, je sens que je vais abandonner.
Et franchement, je bataille les amis, vous ne pouvez pas savoir. C'est juste une horreur ce circuit avec cette voiture sous la pluie. Je me bats avec le fantôme, avec la voiture pour qu'elle reste sur la piste. Je me bats, hein, littéralement. C'est juste horrible d'avoir les meilleures trajectoires. C'est vraiment horrible. Allez, là, on est pas mal. On est pas mal. Il faut juste que j'arrive à négocier. Allez, on y croit là. C'est bon! C'est bon! Oh putain de merde! Oh, excusez-moi pour les grossièretés, mais là non, j'en pouvais plus! Je n'en pouvais plus! Ouh! Oh, ça fait au moins. Oh, je vous jure, ça fait au moins 3 quarts d'heure que je suis dessus, quoi. Au moins 45 minutes pour réussir cet objectif. C'était d'une horreur! Oh, sans nom! Ah, oh, je suis très très content d'avoir fini. Allez, c'est parti! On est parti pour le championnat avec la Peugeot Onix. On décompresse un petit peu de la course précédente. On a des objectifs à réaliser sur deux tours. 296 km/h. Et terminer dans le top 3. Allez! On y croit, les gens. Je sais que vous êtes derrière moi. Ok, ça vole, allez. J'ai aucunement freiné, je voulais atteindre les 296, malheureusement j'ai fait 291. Bon, je pense qu'on aura de meilleures opportunités plus tard, mais c'est bizarre. Ah, il est pas loin. Alors, je suis en reconnaissance, hein, bien sûr. Parce qu'on est au Japon, c'est pas un circuit qu'on a fait souvent, souvent. J'ai même pas le souvenir de l'avoir déjà fait, en fait. Il va falloir que je m'accroche parce que je ne suis que cinquième pour l'instant. Et je crois qu'on approche de la fin du premier tour. Oui, je vois l'arrivée bientôt. Voilà, ça c'est fait. 318 km/h, les amis. Ça c'est réglé. On est troisième. On est deuxième. Allez, il faut qu'on maîtrise notre course maintenant, notre dernier tour. On est premier. Je fais n'importe quoi comme d'habitude, bien sûr. Vas-y, tâte de mon pare-choc, vas-y. Il a l'habitude, mon ami. Vu dans l'état où il est déjà, ça ne pourra pas être pire, je pense. Allez, il faut qu'on maîtrise maintenant ce fin de circuit. On approche de la fin. Et on va donc remporter cette première manche. Tranquillement. Ça nous change de la course précédente, les amis. Ah, j'étais traumatisé par cette course, je vous jure. Traumatisé. Allez, c'est cool. Allez, les amis, c'est parti. On y croit, deuxième manche de ce championnat.
top 3 et 4 minutes 12 pour réaliser nos objectifs. On a 3 tours. C'est parti, nous sommes en Norvège, je crois. Hein, les glaciers comme ça, ça peut être que la Norvège, ça peut pas être le Chili. On y croit. On va essayer de remplir, ne pas prendre la corde. Chaque fois, je dis à chaque épisode. Terrible ça, c'est terrible. Je veux trop prendre la corde. Allez, c'est l'embouteillage. Ah ben non, mais non. Pas ralentir comme ça, monsieur. Allez, merci. On m'a bien aidé à passer. On est septième. J'ai vu la ligne d'arrivée sur la minimap. On s'y approche. Allez, laisse-moi passer, toi. T'es gentil, tu me laisses passer. Voilà. Toujours scellé hein, de ces voitures. Oh là là, sérieusement. C'est le deuxième qui me fait le coup. Ils sont sérieux, quoi. Va prendre la corde. Ah voilà, on est septième toujours quoi. Septième, on est dans le deuxième tour. Voilà, on cède. Et avec la pluie, je ne vois absolument rien, les amis. Je ne vois absolument rien sur mon écran. C'est horrible. Tout ce que je sais, c'est que j'ai encore deux voitures à dépasser et qu'elles sont devant moi. Captain Obvious. Oh là là, c'est horrible, c'est de la pluie neige, je sais pas. C'est bizarre. Tout ce que je sais, c'est quoi? Je ne vois absolument rien. Je pense que c'est de la pluie neige. Non, franchement, c'est vraiment très très bien fait, hein, franchement, les changements climatiques. Sont plutôt réussi à part le jour et nuit bien sûr, mais ça commence à devenir un petit peu barbant à force, comme je vous l'ai dit. Trop de pluie tue la pluie à chaque fois, c'est vraiment dommage. Alors, je ne vois plus les voitures devant moi. Voilà, on est dans le dernier tour. Oh. Et on est quatrième. Voilà, on vient céder. On prend large, comme on a la pénalité de virage, pour bien lui fermer la porte. Enfin, pénalité de collision, pas de virage. Et là maintenant, il faut contenir ces assauts jusqu'à la fin, parce que je ne pense pas qu'on pourra aller chercher les deux premiers. Mais... On peut garder notre troisième place si on maîtrise notre adversaire. Très important, ça va être le dernier virage qu'on va avoir. Donc il faut bien le négocier, ne pas faire d'erreur. Bien sûr, à chaque fois que je dis ça, j'en fais une. Et maintenant, il faut passer la ligne d'arrivée, c'est bon. Et 4-10, j'ai même pas fait gaffe autant les amis. J'ai même pas fait attention à mon time. Et heureusement on a quand même 2 secondes d'avance. Allez c'est parti, contre la montre, avec une Marussia B2. Ouh, je suis arrivé trop fort. Alors je pense que je vais vous montrer juste la course où je réussis l'objectif principal. Pour un gain de temps je pense, et puis voilà, hein, vous avez compris. Je suis un petit peu fatigué parce que là ça fait quand même, je vous le dis, voilà, 1h50 que je suis en train de tourner. Et donc du coup je fatigue un peu et j'aimerais bien que ça se termine. Mais je voulais faire quand même cette dernière épreuve pour justement
qu'on est lors du dernier épisode de PS Setter, juste 3 courses à faire. Vu que franchement, enfin, le dernier objectif quand même est assez long à faire, donc vu qu'on est 2 courses avant plus le championnat, et comme ça on a un épisode qui est pas trop long non plus. Allez, là franchement, hein, tout cet épisode ça aurait été de la guéguerre avec la voiture pour qu'elle reste sur la piste. Voilà, j'ai que des voitures qui n'adhèrent pas au sol. Extrêmement bizarre. Voilà, je me suis battu tout le temps avec les voitures. Allez, mais c'est pas fini, j'ai pas encore réussi. Il reste encore 6 objectifs à remplir. On est tout proche, même si l'objectif principal est juste sur nos baskets. Voilà, regardez, il est juste là, il va nous passer juste à la fin. T'es sérieux, il va nous passer juste à la fin? Non, c'est pas possible. On peut pas le laisser faire. Voilà, faut pas le laisser faire. Faut passer la ligne d'arrivée maintenant, les amis. C'est bon, c'est réglé. Ah, c'est cool, enfin. Voilà les amis, c'est terminé, on a bien avancé sur cet épisode, même si j'ai bien galéré et je viens de battre actuellement le record de mon record précédent sur Drive Club qui était de 1h45 je crois. Je suis à 1h55. Voilà, magnifique, donc on a fait les 4 courses, Ferrari, la pire, la Manzanti, après le Trophy Only Onyx, et puis là on vient de terminer avec la Marussia B2 qui s'est relativement simplement passée. Et voilà, il nous restera plus que le Dambusters, Twin Peaks et le Pass Setter Trophy. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Pour l'épisode précédent, bien sûr, je vous ai dit, ou pas, que j'allais changer la façon de faire votre vote. Je vous mettrai un lien dans la description qui vous renverra sur un sondage où je vous mettrai justement les DLC disponibles et vous aurez plus qu'à voter. Et ce sera beaucoup plus simple pour moi pour m'y retrouver avec le nombre de votes. Même s'il n'y en a pas énormément. Au moins, comme ça, je n'ai pas à les recompter manuellement et à revenir sur les messages. Je verrai directement en cliquant sur le lien. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, bien sûr. Si vous avez apprécié, likez, commentez, partagez comme d'habitude. Mes réseaux sociaux dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite. D'ici là, passez de bonnes vacances, un bon week-end ou une bonne semaine. À la prochaine. Salut. Bye bye.